Voilà la petite choupinette, une jolie petite mantelée postérieure diluée. Je ne sais pas si elle a les yeux bleus, peut-être, je ne suis pas sûre. Je pense pas, sa sœur a les yeux bleus, mais pas elle. Mais elle n'est calme que si on la prend dans les bras. Elle a 2 jours, que si elle est sur les genoux. Sinon, elle est à nos pieds en train d'appeler. On ne peut pas la laisser même à 1 mètre sans qu'elle soit... Oui. Sans qu'elle soit tout en train d'appeler. Elle crie pas fort, mais elle est tout en train de nous appeler. Il n'y a pas une minute, elle passera plusieurs heures à parler pour qu'on lui réponde, pour qu'on soit avec elle, qu'on la touche, qu'on la caresse. Ouais, on l'a récupérée parce que... Avec les murs inégaux des chèvreries, sa maman a mis bas contre la paroi de nos ânes et la mise s'est passée une irrégularité du mur, elle est passée chez les ânes. Donc elle se retrouvait à crier, puis sa maman, elle la reconnaissait à moitié, l'odeur, elle l'avait perdue le peu de temps qu'elle est restée aux ânes, et je ne sais pas si c'est ça qui traumatise la pitchounette, qui veut absolument pas nous quitter. Mais du coup, voilà, on l'a déconné à la maison. Il faut la prendre sur les genoux. Alors je prends un petit peu de sopalin au cas où la miss. Et des petits oublis. Oui. Là, elle a tété. Mais dès que je vais la mettre par terre, ça va appeler. Elle va pas être contente. Eh oui, hein. Tu vas aller dans ton carton quand même, ma titounette. Hein. Il faut que je parte pour m'occuper des autres bouts de chou. Petit bébé, va. Petit bébé. Que tu es un beau bébé. Oh, tu es un beau bébé. Pas mal de paille qui est venue s'agglomérer. Venez les filles, allez venez. Tire-toi Lily, tire-toi. Allez, on y va les filles. Reste là, Malala. T'en fais pas peur. Ma poulette. Elle adore ça, ma poulette, là. Là, ça fait du bien, ça. Que ça fait du bien.
Et ma poupoule, oh que ça fait du bien ça. Oh oui, 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 oui. Dis ma gligli, jalouse. Ma beauté, jalouse. Au fond, oh, il y a eu un éboulement du mur. Ah, Nawa arrive. Toujours rechignée à sortir celle-ci. Elle est repartie ? Hein ? Qui ça ? Mais elle est pas, elle s'est pas échappée, elle est rentrée dans l'écurie. Qu'elle se perde pas, bon elle avait l'habitude, enfin je sais plus. Et Nawa. Nélan, tu leur fais peur, Gligli. Viens ici, viens. Viens ici. Voilà, c'est bien. Toi, tu restes là. Gligli aussi. Oh, mais là, tu embêtes. Et il faut que Gligli soit au milieu. Tiens, petit amour. Allez. Olmeda, va chercher doucement. Va chercher. Va chercher, allez, allez, allez. Allez, va rentrer. Oh. Et là, la chienne ne rentre pas et la miss se coince. Les remises à l'herbe sont compliquées. Il y a toujours des chèvres qu'il faut aller chercher une par une. Ça prend un temps fou. Allez, tu es mon petit amour. Tu es mon petit amour. Allez, viens. Va chercher. Doucement, c'est bien. Tu restes derrière, va chercher. Voilà. Chut, reste derrière. Tire-toi. Allez, tu es mon petit amour, tire-toi, Méda, tu restes derrière. Allez, va chercher. Oui, mon petit amour, c'est bien. Allez, viens, mon petit amour, n'aie pas peur. Ah, la vie est belle quand on garde les chèvres. Allez, petit amour, tu viens? Viens, petit amour. Allez, petit amour, allez. Va chercher, Almidou. Voilà, c'est bien. Va chercher, va chercher. Lavande, doucement. Ça.
Voici une petite zone de travail pendant les pauses de travail sur la ferme, de façon à pouvoir d'une part agrandir un petit peu le jardin pour les plantes envahissantes, et puis surtout parce qu'il a fallu nettoyer tout ça, mettre de buts. Ça faisait des dizaines d'années, peut-être plus de 50 ans, parce que ça y était déjà quand mes parents sont venus ici dans les années 70. Il y avait de tout, beaucoup de ferrailles, des ficelles, de vieilles ficelles. Ah ben je vois d'ailleurs encore un autre qui... Hop, je prendrai après. Beaucoup de ferrailles, des arrosoirs cassés, des bottes en morceaux, des morceaux de rideaux en plastique, des... Voilà, il y avait de tout, de tout, de tout. Ça a été un gros nettoyage, mais il reste parfois, voilà, des bouts de plastique. Je suis encore en train d'en enlever. Mais sinon, voilà, là j'ai enlevé quasiment bon, l'essentiel des cailloux. Plusieurs voyages que voilà, je charge à la main dans le bobcat et que je vais vider par ailleurs, soit dans des haies où il y a un peu de trous, dans les chemins avec des nids de poules. Voilà, ça devrait être le dernier voyage. Il me reste que ça à faire. Et prochaine étape, ça va être changer enfin ce filet. Alors je l'ai mis au sol et juste les chèvres nous ont échappé quelques minutes, mais les artichauts ont pris cher. Mais sinon voilà, ce filet nous a posé beaucoup de soucis parce qu'une chevrette s'y est prise l'année dernière, a commencé à casser le filet qui est devenu, les autres chèvres ont vu le trou, je suis pas arrivée à le réparer, en fait ça glissait, la maille se réécartait régulièrement. Et à partir de là, ben, on a perdu deux chevrettes qui se sont coincées dedans et les autres chèvres sans arrêt en train d'essayer de passer au travers, puisqu'évidemment à l'intérieur, en saison sèche, l'intérieur est plus verdoyant que l'extérieur. Du coup, malgré que je leur fasse des branchages de frênes, etc. à volonté, c'est quand même toujours tentant de passer la clôture pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Ce sont les chèvres. J'ai attendu des semaines la livraison avec Chronopost qui n'a jamais donné suite. On leur donnait nos coordonnées, mais ça marchait jamais. Enfin, je sais pas, mais ça a été très très compliqué. Après, à l'automne, j'ai laissé tomber parce que tout avait reverdi à l'extérieur, donc les chèvres ne cherchaient plus à rentrer. Par contre, j'ai enfin recommandé et reçu le nouveau filet. On va refaire la clôture. Enfin, je vais refaire la clôture des ânes. Ça, c'est un champ qui va leur être consacré pour la mise à l'herbe. Pose de fil type... fil de fer élastique, si je puis dire, un peu fin sur les isolateurs en bas, proche de l'herbe, de façon à vraiment ce qu'ils tiennent au mieux et que les chèvres ne les abîment pas. Et puis après, ça va être surtout la zone haute. L'année dernière, j'avais passé quelques semaines à dégager tout ça. Donc bon, ça se voit pas là maintenant, mais c'était 3 mètres à peu près de haut, 3 à 4 mètres de ronce. J'ai coupé les arbres, ça arrivait à la hauteur des arbres que j'ai coupé en trogne là. Et c'était complètement impénétrable. Des ronces, des arbustes piquants, des aubépines, des genêts. Voilà, ça arrivait jusque là à peu près. Et là, voilà, c'était complètement fermé. Donc ça a été les boucs et les chevreaux qui ont profité de ce débroussaillage progressif. Ça a ouvert une zone. Toute cette zone était inaccessible. D'ailleurs, on voit que il y a toujours des choses à enlever, à nettoyer, trier. D'ailleurs, même là-bas, je ne l'avais pas vu. Mais voilà, toute cette zone, les ânes vont pouvoir sortir en montant les petits murs éboulés. Donc, ce qu'il me faut, c'est pouvoir couper les branches, toutes les branches mortes qui dépassent jusqu'en haut, pour pouvoir remettre une adjonction de clôture, voilà. Donc c'est surtout ça qui va devoir être fait rapidement, de façon à ce qu'on puisse mettre les ânes et les ressortir après avoir passé l'hiver à l'écurie. Voilà, donc ça va être la prochaine étape, et puis ce que j'aurais voulu faire là cet hiver, mais ça n'a pas été possible, le travail a été trop important. Ça aurait été du coup de nettoyer tout ça manuellement, de finir de laisser les arbres en trogne tels qu'ils sont, mais de nettoyer tout le reste pour pas qu'elles soient trop envahissantes d'une part,
Et d'autre part, pour que les chèvres puissent manger un peu plus à leur hauteur. Parce que là, ça va être essentiellement en dehors de leur taille. Ce qu'elles mangent, ça va être, en ce moment, ça va être toutes ces petites pousses vertes. Puis ça va être les fleurs. Puis ça va être les gousses, dont on voit encore les vestiges de l'an passé. Et après, à l'automne, bon, elles mangent les parties vertes. Tout ce qui est vert, elles peuvent le manger, c'est moins à leur goût, mais elles le mangent aussi. Cependant, voilà, quand c'est trop haut comme ça, ben, c'est inaccessible pour elles. Et le tracteur ne peut pas y aller parce que ben, y a des rochers partout, qui effleurent partout. Donc c'est au risque de couper le matériel, simplement. Ce qui fait que là, on ne peut pas... Il y en a de partout. Donc là, on peut pas rentrer avec le tracteur. J'avais commencé il y a une paire d'années à essayer de sortir les rochers avec l'aide du Bobcat. Mais c'est vraiment pas évident. J'ai peur de casser ma fourche. Je vais essayer, si j'ai le temps en temps, de pouvoir scier manuellement, couper toutes ces plantes. Là, je vais nettoyer la mare au canard et la re-remplir, parce que là il y en a besoin. On se régale, mais c'est dégueulasse. Il y a eu de la pluie, il y a eu plein de canards qui sont venus profiter. Il y a vraiment besoin de nettoyage. Alors là, je viens d'enlever le bouchon. Allez, ça sera bon. Un curieux. Tu m'accompagnes, me paradis. Bon, j'ai un arrosoir qui a lâché. Les soudures du bas, là, ça a pété. Non, j'ai plus qu'un arrosoir pour l'aller-retour pour le moment. Je dois en avoir un autre au jardin. Je vais aller chercher, sinon... Vous attendez votre bain, les bébés.
Doucement, ne fais pas peur, reste là. Bon, ben la semaine est très rapidement passée. Je voulais filmer un peu plus, mais j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à faire des mails. J'ai passé des heures et des heures et des heures par jour, vraiment très longtemps, pour répondre à toutes les personnes. Je n'ai pas encore fini pour pouvoir discuter, répondre à leurs questions, leur apporter beaucoup d'informations qui sont pourtant sur notre site internet, mais que je n'arrête pas de devoir répéter individuellement. C'est très 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 chronophage, trop chronophage, je suis obligée de délaisser du travail sur la ferme pour pouvoir faire ça. Et donc j'ai pas filmé beaucoup cette semaine, j'espère du coup que je pourrai faire quelque chose, un travail de manière bien plus équilibrée. Cette semaine passée, j'essaie de terminer jusqu'à ce week-end et après, de pouvoir vous montrer un peu plus le travail qu'on fait sur la ferme, les animaux. On attend, j'espère, une naissance sous peu, très très bientôt. J'espère qu'on pourra, je pourrai vous la montrer. Vu que j'avais perdu toutes mes images de cet hiver, ça sera peut-être une petite compensation, on verra. Et du coup, là, aujourd'hui, fin de semaine, on est jeudi. Ça fait quasiment 15 jours que je suis en panne. J'étais tombée en panne le week-end, pas celui-là, mais l'autre. Et c'est aujourd'hui que le garagiste vient enfin chercher le Bobcat pour le réparer. Là, je viens d'utiliser le Bob pour amener un peu de foin partout devant les bâtiments, puisque la grange est au fond, elle s'ouvre vers le champ, et puis il faut aller jusqu'au bout. Je sais pas, bon, on voit pas le dernier bâtiment là, mais bon, c'est une ferme qui fait 150 mètres de long, donc l'aide du Bobcat est précieuse pour transporter des centaines de kilos de foin, de paille, etc. au quotidien. Donc je viens de faire ça. On entend bien la roue qui fuit.
Même si ça sent un petit peu moins là maintenant parce qu'elle commence à être vide, donc je vais la regonfler et je vais reprendre un peu plus. J'espère voilà, qu'il va tenir jusqu'au bout parce que je risque l'éclatement de pneus. Allez, le garagiste va également prendre la fourche du Renault, de notre tracteur, ainsi que le tracteur, en plus du Bobcat, pour pouvoir le mettre en conformité, si je puis dire, pour la prochaine saison de récolte de foin qui va commencer. Le tracteur aura besoin d'une prise spécifique pour brancher la nouvelle emballeuse qu'on a acquis cet hiver. Et la fourche devra être aménagée, qui est entreposée ici depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans. On va enlever la partie crocodile, qui est celle-ci. Voilà, ça, on a enlevé déjà le boulon là qui tenait. De l'autre côté, pareil, pour pouvoir utiliser uniquement cette zone-là avec les dents. On ne mettra que deux dents. Là, il y en a d'autres, donc il faut démonter les dents, mettre deux longues pour pouvoir monter les grosses bottes produites par cette emballeuse dans notre remorque. Allez, départ du tracteur, du Bobcat. Et le garagiste part en vacances demain soir, donc il ne pourra pas tout faire a priori. Donc je vais récupérer au moins le Bobcat et après on verra. Allez, petite averse pour pas changer. Ah, je ne sais pas si ça ressortira bien sur le... Pas sur l'appareil photo, justement sur le portable. Mais c'est une jolie lumière. Cependant, mon matériel de portage Bobcat ou tracteur sont chez le garagiste et je cours d'un bâtiment à l'autre pour pouvoir rentrer le foin, la paille que j'ai entreposé dehors avant le départ ce matin. Et puis après j'évacue à autre chose, vu qu'il faisait très beau, voire presque chaud, je ne pensais pas qu'il aurait plu ce soir. Alors là, j'en avais entreposé pour le week-end, sinon. Donc, j'ai une plaque je mettrai par-dessus certaines, mais là, je sais pas. C'est que sur nous, ici. Je sais pas, là, on le verra plus avec les bâtiments. Là, ça paraît noir, mais juste après, là, il y a le soleil qui transparaît. Il fait soleil en face, donc c'est vraiment juste là. Même là-bas, c'est un peu plus clair. Là-bas, on voit presque le soleil qui... Il y a des rayons qui transparaissent, donc c'est vraiment juste sur nous, je pense pas que ça dure longtemps. Non, je vais surtout rentrer la paille, vite, vite, vite. Je vais juste enlever le dessus, pour être sûr que ce soit pas mouillé. Et puis s'il faut, je mettrai la plaque sur les autres bottes que j'aurais pas donné ce soir. Ouais, ça y est, ça s'est arrêté. Bon, je vais quand même rentrer vite... la paille au cas où une autre averse arrive. Je suis en train de mettre la paille et il y en a qui... Oh, doucement ma fille. Et il y en a qui en profite pleinement. Allez bébé. Oui, je sais que tu es là. Bon, la pluie annoncée tarde un peu, donc vu qu'il fait des averses, je peux pas démarrer quelque chose en extérieur. Cependant, je vais peut-être faire un peu de terreau à semis pour le jardin. Ça va prendre. Je vais mettre dans la brouette, je vais remplir la brouette. Je voulais faire ça cet hiver pour vraiment. J'avais pris toutes les graines, des tomates, etc. Et j'ai pas eu le temps. Je n'ai pas pu, donc. Olmeda est en train de surveiller les chiens du voisin qui sont constamment en train de venir. On les chasse d'un côté, 3 minutes après, on les voit apparaître de l'autre. Je vais tamiser tout ça. Ce que j'ai fait l'année dernière, ça a très bien poussé, sauf les cosmos. J'aime bien un petit peu de cosmos pour pouvoir amener un peu de biodiversité, de pollinisateurs. Mais ça n'a pas bien du tout poussé. Je ne sais pas si c'est ça. Et le basilic non plus n'aime pas trop la... Ce terreau-là, le reste, adore.
Je récupère au passage des petits vers de terre. Hop, il y en a d'autres dessous. Avant que les poules viennent profiter du fumier et les manger. Bon, je vais être obligée d'arrêter là parce que là il pleut. Ça fait un petit peu que je suis là en train de me mouiller. Et ça marche plus parce que le tamis se bouche. Étant donné que le terreau est très, très humide, c'est en train de se boucher, donc ça n'avance plus. Donc je vais faire avec ça. C'est pas grand chose, mais ça fera l'affaire pour semer quelques salades. Hop. Quelques salades, blettes, betteraves, voilà. Courgettes, peut-être qu'il me faudrait y revenir parce que j'ai des plus gros pots et j'aurais besoin de plus de matière. Je viens de rentrer la petite brouette de terreau à semis, étant donné qu'il pleut bien maintenant. Enfin, ouais. Je vais travailler plusieurs heures à minima sur les photos, les vidéos de nos petits bouts de choux disponibles à la vente. Du coup, je vais pouvoir faire ça et continuer à répondre aux familles en attente suite aux pannes informatiques. J'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard. C'est très chronophage. Donc, je vais profiter de la pluie pour pouvoir faire ça. Il est sec, t'es joli. Oui. Oh oui. Il est sec, t'es joli. Allez, tu viens. Viens là, ma chérie. Oui, ma chérie. On vient là. Viens. Viens. Allez, viens, ma pupus. Tu viens, ma pupus? Viens. Oui, ma pupus. Oui. Oui. Oui, t'es ma pupus, c'est ça. Oui, t'es ma pupus, c'est ça. Hein? Oui. Tu viens? Allez, viens, ma puce. Allez, viens. Tiens, ma pupuce, toi. Tiens, ma pupuce, toi. Oui. Tiens, Manuel Méda. Tiens, Manuel Méda. Qu'est-ce que c'est, Manuel Médinette, et ça?